Voici Amodeus. Il a 8 ans. C'est un chat plutôt tranquille qui aime les longues siestes. Pour Amodeus, tout va bien. C'est la belle vie, il est en forme. Ah tiens, c'est l'heure. Amodeus a ses petites habitudes. Tous les ans, rendez-vous chez le vétérinaire. Sans faute. Amodeus va faire son bilan de santé tous les ans pour rester en forme. À partir de 7 ans pour les chats, le bilan, c'est au moins une fois par an. Chez le vétérinaire, c'est l'inspection générale. Et en particulier, le vétérinaire mesure sa pression artérielle. Très important pour les chats comme Amodeus. Ça permet de dépister une maladie invisible, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une catastrophe, responsable de graves problèmes aux yeux, aux reins, au cœur ou même au cerveau. Savez-vous pourquoi? Pour comprendre cette maladie, suivez-moi. Nous allons visiter l'intérieur d'Amodeus. Quelle belle machine! Il y a là un sacré circuit de tuyaux. Ce sont les veines et les artères d'Amodeus. Et dans ces tuyaux, le sang circule sous une pression réglée au millimètre. C'est très important. La pression ne doit surtout pas augmenter. Sinon, les tuyaux sont en surpression et les soupapes en surrégime. C'est la panique. Que se passe-t-il vu de l'extérieur? Rien du tout. Amodeus semble aller très bien. Pourtant, à l'intérieur, la pression monte, monte encore. Que voit-on de l'extérieur? Toujours rien. L'hypertension artérielle est une maladie qui progresse sans signe visible. Et la pression continue de monter. Jusqu'au jour où, bam! C'est l'accident. L'hypertension artérielle provoque des hémorragies soudaines. C'est très grave. Par exemple, si l'hémorragie se produit dans les yeux, Amodeus est aveugle. Attention, le fauteuil! Aïe! Pas question d'en arriver là. C'est pour cette raison qu'Amodeus fait surveiller sa tension artérielle tous les ans chez le vétérinaire. Si la tension est trop élevée, mieux vaut le savoir à temps pour agir. Grâce à un simple médicament, on peut réguler la pression dans les tuyaux. En cas d'hypertension artérielle, seul un traitement pris tous les jours empêche la pression de monter. Donc, il ne faut surtout pas l'arrêter. L'hypertension artérielle est un danger invisible. Elle reste très longtemps invisible, jusqu'au jour où des signes très graves apparaissent. Tout se passe à l'intérieur. Tout reste invisible. Comment faire alors pour protéger votre chat? Eh bien, s'il a plus de 7 ans, s'il souffre d'autres maladies comme l'insuffisance rénale chronique, faites-lui un bilan annuel chez le vétérinaire. C'est la seule façon de dépister l'hypertension artérielle. À chaque visite, le vétérinaire prend l'attention du chat. Comme pour nous les humains. Hop, juste un petit brassard qui se gonfle. Et c'est indolore. Et ça peut sauver la vie.